Maxi, chez Maxi, écoute, le rôti de palette, ou à 3,98 la livre, hein, ça, on reconnaît notre prix, ou 8,77 le kilo, hein, pour un rôti de palette, tu sais, un rôti de palette, c'est super facile à faire, fous ça dans le croque-pot, dans la mijoteuse, merci, bonsoir, avec quelques petits légumes, puis être un souper, là, fantastique, puis t'en restes pour les lunchs, puis c'est bon à lunch, tu peux filocher ça par la suite, écoute. Moi, le rôti de palette, là, mais c'est quand même pas donné, hein, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de pertes là-dedans, il y a du gras et tout, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas l'acheter à son prix normal, parce que ça devient des repas là, très dispendieux. Mais à ce prix-là, quand même, ça a bien du bon sens là, pour une petite famille, on s'en sort quand même pas pire. Aussi, chez Maxi, ben écoute, cette semaine, juste par contre, le vendredi, samedi, dimanche, le 4 jours de temps, les boîtes de Flamingo, hein, les burgers, les languettes, les pépites, tout ça, sauf bien sûr les ailes de poulet, à 4,98 la boîte. Ça, là, à 4, une boîte, ça fait un job, avec un petit riz, un petit légume d'accompagnement, puis tabarnouche, t'as un petit souper super facile, pas cher, puis avec des protéines, puis c'est sûr que, bon, c'est du poulet Flamingo, il y a un peu de sodium là-dedans, mais il y a d'autres marques, il y a bien plus de sodium là-dedans, puis à cette heure, tu sais, hein, je t'ai remarqué, il y a des boîtes, puis Goody, à 25% moins de sodium, puis ça paraît surtout dans la consommation de sodium pour le corps, mais au goût, vraiment, là, t'as s'y méprendre, c'est pas quelque chose, ça c'est vraiment pas salé. Puis du sel, ça se rajoute tout le temps, s'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire. Donc, je te conseille là, de rechercher les 25% moins de sodium, parce que ça vaut vraiment la peine. Donc, écoute, pour chez Maxi aussi, qu'est-ce qu'on retrouve? Ah oui, le poulet SeaQuest. OK, c'est du poulet, pas du poulet, du poisson SeaQuest. Donc, tu as là, du filet de sole, tu as la morue, l'aigle fin, de la goberge, il y a plusieurs sortes, le tilapia, entre autres et tout, pour 3,98 des paquets de 400 grammes. Donc, 400 grammes, ce qui est le fun, c'est que tu peux sortir juste les filets que tu as besoin. Hein, puis ça se dégèle là, quelques minutes. Tu mets ça en dessous de l'eau, puis allez, là, tu poses un peu en dessous de l'eau, puis il est déjà prêt à faire à cuire. Ça, c'est important. Des poissons comme ça qui sont surgelés, ben, veut pas, il y a de l'eau. Hein? Quand on les fait dégeler, ou on les passe en dessous de l'eau pour les dégeler, ce que je te conseille fortement, c'est vraiment des éponger là, avec un papier absorbant. Là. Tu pèses dessus pour que l'eau sorte. Tu pèses, puis le papier il se gorge d'eau. Puis là, tu le laisses un petit peu sur le comptoir pour qu'il sèche, là, pour le laisser sur le comptoir pendant une demi-heure. C'est pas ça que je dis. Mais pendant quelques minutes, là, après l'avoir bien humecté, là, enlever toute l'eau que tu es capable, parce que toute l'eau qui va rester dans le poisson, bien, quand tu vas venir pour la faire cuire, ça va bouillir le poisson. C'est pas ça qu'on veut. Hein? On veut comme saisir le poisson. On ne veut pas trop le faire cuire non plus. On ne veut pas qu'il soit en eau non plus. Tu comprends? Fait que la meilleure façon, tous les fruits de mer et les poissons, c'est d'enlever l'eau le plus possible avant de les faire cuire ou avant de les manipuler. OK? Un petit truc que je te donne. Puis ça, ben écoute, à 400 grammes pour 4 piastres pour 98, ben là, c'est pas cher, là. Hein, parce que, écoute, je te dirais qu'un paquet et demi, pour 6 piastres, là, on nourrit 4 personnes là, sans aucun problème, avec un bon petit riz et tout, là, ça fait un bon petit souper quand même, parce que c'est du vrai poisson, c'est pas des transformations, c'est du vrai poisson, c'est juste qu'il est surgelé. Moi, j'aime mieux le frais personnellement, mais ça peut être un très bon dépanneur. Okay? Puis surtout à ce prix-là, ben, ça donne le goût de l'essayer un peu plus. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi. Fait qu'écoute, cette semaine, hein, lâche pas, là, partage ça, fais-moi un petit commentaire, un j'aime, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi surtout si ça t'aide, ma liste, si vraiment tu l'utilises, puis ça te guide ou ça au moins t'inspire pour essayer d'aller au moins scruter les circulaires. Puis tu sais, hein, si tu n'es pas capable de scruter les circulaires ou tu connais pas les prix ou tu n'as pas le goût de tout ça, tu as commencé à fouiller là-dedans, ben, abonne-toi à l'abonnement de VIP de Papa Popote, puis tu vas avoir la liste en PDF, là, toute d'une claque, puis tu peux cliquer là-dessus pour voir le prix en plus, comment il coûte normalement, versus le prix, pour voir vraiment si tu es un vrai rabais, cette affaire-là. Puis en même temps, ça va t'apprendre à reconnaître les prix avec cette liste-là. Ça fait une pierre deux coups, là. Ça te sauve du temps, ça te montre des choses, puis surtout, en l'espace de 2-3 minutes, ben, tu sais exactement, hein, les meilleurs rabais dans les 5 épiceries dans une feuille. Tu sais, là? Fait que c'est fantastique. Puis j'en mets à peu près entre 60 et 90, ça dépend des semaines. Moi, c'est pas moi qui décide, là. Si c'est un vrai rabais, je le mets. Si c'est pas un vrai rabais, je le mets pas. Fait que t'es sûr que dans la liste qui est là, c'est juste des vrais rabais.
paix. Ben écoute, sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote. Bye!